juste un petit coucou pour les parrains et les marraines. Depuis que nous étions ensemble avec vous, le centre a beaucoup, beaucoup évolué. Parce que depuis que les enfants sont parrainés, nous avons pu les envoyer dans des meilleures écoles, surtout dans l'éducation. Auparavant, il n'y avait pas encore d'enfants qui ont eu le bac ici à Kamsou. Mais depuis le parrainage, beaucoup d'enfants peuvent aller jusqu'à l'université. Et nous vous remercions beaucoup parce que c'est par votre aide, par votre financement que nous pouvons améliorer et le soin, la prise en charge des enfants. C'est grâce à vous et nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous rende mille fois ce que vous avez dépensé pour ces petits-là. Pour les 26, 27 petits-enfants, nous espérons bien que les trois qui sont à l'université maintenant vont aller un peu plus loin. Il y a Nadia Yermampioun qui va terminer son étude cette année-ci, 2018, étude d'infirmière. Et il y a aussi Tafita. Lui, il a eu son bac avec mention très bien. Et il va à l'université pour approfondir son étude en bâtiments et travaux publics. Et nous espérons que bientôt, nous aurons un ingénieur en BTP, en bâtiments et travaux publics. Et nous remercions aussi aux enfants de l'école de dimanche parce que vous avez fait de très grandes choses pour pouvoir aider le centre à Kansou, l'orphelinat à Kansou. Et ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour Jésus. On voit arriver les briques pour les travaux de construction, de réfection des bâtiments financés par l'argent de la Société des écoles du dimanche. Voilà, en plein chantier. Voilà le véhicule de l'orphelinat Akanissou qui a été financé par la cause pour emmener les enfants lors des déplacements et son chauffeur. L'orphelinat Akanissou dispose de deux vaches, l'une qui attend petit et celle-ci qui donne environ 7 litres de lait par jour. Nous avons pu planter 85 pieds d'arbres fruitiers. Les arbres que l'on a plantés ici, ce sont des papayes. On les appelle papayes solo. Et quelles sont les différentes espèces qui ont été plantées? J'ai vu des pommiers avec déjà des pommes. Oranger. Il y a 15 espèces que l'on a plantées ici et c'est un peu partout dispersé. Mais ici, dans cet endroit, il y a des pêchiers, des papayes et de l'etchi aussi, l'etchi là-bas. D'accord. Le poirier qui a été planté il y a 8 mois a grandi très très vite et produit déjà de magnifiques fruits. Les enfants regardent les photos des arbres et on les voit sur les photos en train d'entretenir les arbres qui ont été financés par le parrainage des arbres.
avec Yvon, notre chauffeur. Nous sommes arrêtés sur la route qui nous mène à Manenja pour admirer les chutes d'eau. De ce midi en roulant. Petit régime de bananes, il y a même des magnifiques avocats et des fruits qu'on appelle des pommes cannelles. Il y a 64 enfants accueillis ici, plus 27 enfants des employés qui sont à la charge du CACHA et 29 employés. Donc ça fait une très grosse famille à gérer et à nourrir. Hein? Oui, c'est une grande famille. Merci aussi le donateur et la Fondation La Cause. Maintenant, le projet se marche très bien, le bâtiment s'avance à 60%, le puits, le forage a déjà fait. Merci Jackie. Et puis il y avait aussi les plantations d'arbres. Combien d'arbres ont pu être plantés? Là, jusqu'à présent, on a pu planter à peu près 160 arbres. Et en plus, on va continuer, hein. Nous ne sommes pas encore satisfaits. Voilà, un projet. Alors nous, on est très heureux parce que la cause aussi fête ses 30 ans de présence à Madagascar. Et à cette occasion, dans trois structures, nous avons pu réaliser avec le parrainage arbre la plantation de plus de 500 arbres. On est, oui, plus de 500 actuellement. On est en train de... Parce que par exemple, ça, on doit encore peindre. Voilà, ça, c'est le premier étage d'un nouveau bâtiment. Et on voit le bâtiment qui est en train d'être construit. Avec beaucoup de goût, ce sera magnifique. Des arcades. Des arcades, ils seront dans ce style-là. D'accord, et donc ce sont les quatre ruchers. Oui, c'est les quatre ruchers qui fonctionnent actuellement. On a pu récolter 6 litres de miel. On n'a pas encore prendre un peu plus parce qu'il y a le cyclone et les abeilles doivent avoir son réserve pour subsister pendant la pluie. Entre 140 et 150 arbres ont été plantés grâce au programme parrainage d'arbres. Et donc on voit les panneaux, par exemple ici Denise Lheureux, ou à côté, on peut aller lire le panneau, Pasteur Pierre Boismorand. Le deuxième forage réalisé en lien avec la cause, à 14,50 m, qui permet d'avoir de l'eau. Et sur ces deux forages seront installés les panneaux solaires et la pompe. Nous saluons Anta qui travaille actuellement, qui prépare ses cours sur des cours de malgache. Tu veux dire quelque chose, Anta? Bonjour, parents, je m'appelle Anta. La chambre des filles. Sajam, sajam, jesu. Sajam, sajam, jesu. Sajam, sajam.
Sesso et Rampou. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de mon cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de mon cœur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus is my name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous sommes à l'orphelinat Akani Fanantenan avec le couple directeur Emilienne et le pasteur Elia Rose. Nous sommes ici au centre Akani Fanantenan. Nous avons ici au centre 33 enfants, dont deux jumeaux qui viennent récemment de Mayela, à 50 km au nord de Mananzar. Donc des jumeaux abandonnés en raison du tabou et oui. qui sont arrivés il y a 3 mois, c'est ça? Oui, oui. Et actuellement, nous avons 2 enfants à l'université. Une suit des études de médecine et l'autre, un garçon, fait des études de gestion. Et depuis la création du centre, nous avons déjà 5 ou 6 enfants qui ont eu la maîtrise à l'université d'Antananarivo. Donc des études supérieures. Également une Roselyne qui fait des études d'infirmière. Actuellement, Roselyne fait des études d'infirmière ici sur place à Mananzar. Et à part ça, ces élèves qui ont eu la maîtrise, ils avaient entre 5 et 6 ans quand ils sont arrivés au centre. D'accord. Et plusieurs d'entre eux sont mariés, ils ont des emplois. Donc vous êtes des grands-parents aussi par procuration. Des grands-parents par procuration vis-à-vis de ces enfants accueillis au centre. Poulailler d'Akani avec 300 poules qui normalement peuvent donner environ 150 à 200 œufs par jour. Là, elles sont perturbées en raison des fortes pluies et elles donnent environ 30 œufs par jour. Nous sommes avec la Ligue pour la lecture de la Bible pour la rencontre des filles qui font des études supérieures et qui sont parrainées par la cause.
D'abord, merci à la CAUSE qui donne cette opportunité pour les étudiants de poursuivre leurs études dans les universités. Donc normalement, ce parrainage, c'est pour les jeunes étudiants après leur baccalauréat. Donc là, ils rejoignent l'université et on les parraine jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Donc il y a différents étudiants là. Il y en a qui fait de l'économie ou électrotechnique ou la langue. Donc au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible, il y a des départements pour les jeunes. Et ces départements donc, donnent des enseignements bibliques, des encadrements spirituels pour ces jeunes. Donc je contacte les départements et puis je parle avec les responsables pour leur demander s'il y a des étudiants assidus qui ont besoin d'être parrainés dans leurs études. Parce que leur famille ne peut pas financer, c'est ça, les familles en difficulté. Ils sont en difficulté et bien... Il y en a beaucoup, il y a déjà beaucoup d'étudiants qui s'en sont sortis. Depuis 25 ans, oui. Depuis 25 ans, avec des diplômes. Oui. Eh bien, on va faire connaissance avec ces étudiants. On commence tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Tult. Je suis étudiant en pharmacologie et je suis le filleul de monsieur et madame L'Esprit avec leur fils Yanis, que j'en profite de saluer et que j'embrasse très fort. Merci. Coucou tout le monde, je m'appelle Nasser, je suis étudiant en finance et comptabilité et j'aimerais faire un petit coucou à Madame Denis et Monsieur Soumet. Coucou et je prie pour vous et ainsi que la famille. Merci. Merci Nasser. Manaona, je m'appelle Joseph et je suis en troisième année en filière électrotechnique. Et je fais coucou à M. Milan-Claude qui m'a avoir soutenu financièrement. Avec la demande aussi de pouvoir communiquer par mail avec lui, hein, c'est oui. ça oui, oui. Donc c'est maintenant les techniques modernes, Internet arrive et on peut échanger par mail. Bonjour, c'est moi Rav. J'étudie la télécommunication et je passe un petit coucou à Mme Baker qui me voit en ce moment. Je prie pour vous et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Coucou, ma reine. Je suis Mure. Merci beaucoup pour ton aide. Je t'embrasse fort. Oui, et le travail, c'est dans quel domaine, les études? Je travaille en PTP, quatrième année en PTP. Bonjour à tous. Je suis Kantou. Ma marraine, c'est Madame Mundler. Et je tiens aujourd'hui à passer un petit mot pour vous, Madame Moudler. On ne sait pas vraiment communiquer par faute, je ne sais pas trop, par la poste, tout. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à vous dire merci. Et je tiens fortement à vous et merci pour votre soutien. Je suis maintenant en quatrième année dans le domaine de l'économie de développement. Et je tiens également à vous dire que je prie toujours pour vous. Bisous. Merci. Bonjour, je m'appelle Kouloun, je suis la nouvelle et j'ai reçu votre aide. Merci beaucoup de votre parrainage. Ça m'aide beaucoup sur mes études. J'ai fait l'anglais en première année. Et merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Yasmine, une nouvelle. Je suis étudiante en gestion. En deuxième année et j'ai pour but de devenir expert comptable. Expert comptable, oui, c'est ça, oui. Oui, expert comptable. Et... voilà. Merci. Et donc en tout, il y a 15 étudiants, mais certains sont à Tana puisqu'ils sont en train de faire des études et ils n'ont pas pu se libérer pour ce moment de film ensemble. Merci et bon courage. Maison royale, le Premier ministre logé ici. C'est devenu maintenant la maison des sœurs de Mambré. Merci pour cette visite.
Et nous, la nouvelle, c'est que nous avons eu une bonne célébration de Pâques. Alors, nous avons aussi la joie d'accueillir les trois volontaires qui sont très, très, très engagés comme engagement chrétien, qui collaborent avec nous étroitement avec les enfants de la cantine. Voilà, merci. Donc, on parle des trois envoyés qui sont venus en lien avec le DFAP et pour l'une d'elles, Myriam Strobel, qui est financée entièrement par la cause. Et donc, il travaille aussi dans l'action sociale à Mamre pour les enfants les plus pauvres de Tananarive, avec notamment soutien scolaire et une cantine. Combien d'enfants sont accueillis à la cantine et dans ce programme? Oui, pour cette année, il y avait 87 enfants. Merci vraiment pour le financement pour ces repas des enfants. Et ça, c'est une grande aide pour ces enfants parce que quelquefois, ces enfants mangent justement une fois par jour. Et heureusement qu'ils ont, ce déjeuner pendant ces 5 jours de classe. Et nous sommes très reconnaissantes encore et merci pour vos aides. Bonjour, je m'appelle Myriam Strobel, je suis volontaire ici à Madagascar depuis octobre 2017. Et je travaille ici chez les Sœurs de Mamré dans un projet de cantine solidaire pour les enfants défavorisés du quartier. Et donc mon travail ici, c'est de faire une animation et de partager un repas avec les enfants du quartier qui sont juste ici à l'école à côté. On s'occupe aussi un peu du soutien scolaire. On prépare les enfants de CM2 à un examen de fin d'année en primaire. Tu as aussi appris un peu le malgache parce que tu t'es aperçu en arrivant que les enfants ne parlaient pas très très bien le français. Oui, oui, oui. Et les sœurs viennent de dire que maintenant les enfants parlent beaucoup mieux le français. Donc toi tu apprends le malgache et eux apprennent bien le français. Oui, on se complète un peu. Donc c'est vrai, j'apprends le malgache à France Volontaire qui a proposé un cours de malgache qu'on prend une fois par semaine. Ça m'aide aussi beaucoup pour les enfants parce que effectivement les enfants ne parlaient pas beaucoup français. Et donc on se débrouille. Bon, on parle pas encore, enfin moi en tout cas je ne parle pas encore parfaitement malgache, mais c'est eux qui nous apprennent quelques chansons, des histoires et des mots aussi, de vocabulaire qui nous aident nous dans la vie courante. Et puis nous aussi ensuite on leur partage de nos connaissances de français. Donc premièrement pendant le cours de soutien de français. Et ensuite, souvent on prépare des chansons françaises, on leur raconte des histoires que notre collègue malgache souvent traduit quand même parce qu'ils ne sont pas encore assez à l'aise en français pour comprendre toutes les histoires qu'on leur raconte. Mais ouais, ça permet un échange de connaissances en langue. Donc on est maintenant au réfectoire où sont servis le repas pour 85 enfants chaque jour de la semaine quand il y a classe. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année? Cette année, nous avons eu la nouvelle table et les chaises. Voilà, tout est remis à neuf pour les tables et chaises. Oui. Bonjour. Ça va? Qui sont les enfants de la cantine et qui mangent ici? Tous les jours ici à l'orphelinatus. Mais merci beaucoup de votre gentillesse, les parrains et les marins.
de l'orphelinat Itos. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, merci mille fois. Nous sommes actuellement ici à l'orphelinat au nombre de 554 personnes. Et nous avons besoin de poules pondeuses, des œufs, de poules pour le bon fonctionnement de l'orphelinat. Et c'est pour cela que nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ce projet. Départ de l'équipe de la cause avec la haie d'honneur des enfants et du personnel. Initialement, le projet prévoyait de mettre les réservoirs d'eau sur la cuisine qui en avait besoin. Mais après réflexion, on s'est dit, puisqu'on est là-haut aussi, pour ne pas en profiter pour donner la possibilité aux plantes, là, aux arbres fruités, de bénéficier d'arrosage pendant cette période de 6 mois de sécheresse. Ah oui! Sur combien y a-t-il de plants d'arbres qui ont pu être plantés grâce au plan de parrainage de la cause? Ça fait 360 arbres. 360 arbres oui, qui vont produire des fruits, oui. Pouvoir être mangés sur place ou vendus au marché peut-être. Oui, voilà, on continue sur les allées et on s'aperçoit que toute la colline a été boisée. Il y a le papayer, il y a avocatier, orangé, citronné, pêcher. Et aussi figues, pibassées aussi. Cet arbre qui est normalement sauvage et qui ne pousse que sur la côte, on a réussi à l'acclimater ici, il s'appelle jacquier. Et les fruits, c'est des gros fruits très lourds. Et quand c'est mûr, c'est bourré on dirait du miel qu'il y a dedans. Et les enfants aiment ça. Et les enfants s'en régalent. Et d'après, quand on a regardé sur Internet, on a vu que c'est plein de vitamines. C'est un arbre qui est vraiment une aubaine. Oui, j'ai pris votre durée par tomate de bois. Je dois vous dire aussi, en toute honnêteté, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est grâce à vous, la cause, nos amis de la cause, qui ont su nous donner cette confiance qui nous honore, qui est un privilège pour nous. Et il nous revient donc d'honorer cette confiance par tout ce qui est possible de faire. On a mobilisé nos enfants et tout ça, et c'est avec enthousiasme qu'ils sont tous mis la main dans la pâte. Et voilà le résultat. Nous avons pu embaucher un ingénieur agronome qui vient, ce chrétien aussi, et qui vient une fois par semaine pour voir chaque plan et donner des inscriptions par écrit. Alors on note et on va continuer comme ça. Et comme vous nous avez donné les moyens pour le faire, que demande le peuple? Il nous reste à nous toute la responsabilité de continuer pour arriver à un résultat qui nous fera plaisir à tous. Les arbres